Respecte rien, hein. Une minute de silence. Une minute de silence, on a dit. Oui, alors. Viva Meclésos! Viva Meclésos! Et viva Ishkaoula! Et viva Yat Mahros! Viva Meclésos! Viva Meclésos! Et viva Ishkaoula! Hakim, bonjour, très content de te voir ici à la couronne pour l'événement d'aujourd'hui. Alors justement, tu vas nous commenter un petit peu, quel est l'objectif aujourd'hui de ce rassemblement ? Bonjour, Hakim, je suis militant pour les droits de l'homme en France. Aujourd'hui, le rassemblement, en fait, c'est un rassemblement qui est organisé parce qu'il y a des élections en Tunisie le 6 octobre prochain. Et que le processus électoral a été entaché par plusieurs transgressions de la loi par le régime en place et l'instance supérieure indépendante pour les élections. Et aujourd'hui, la manifestation, le rassemblement, on est là pour dénoncer tout ça, pour appeler à des élections libres et indépendantes, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et voilà. Alors Hakim, quand tu dis transgression, tu peux développer un petit peu, qu'est-ce que tu appelles par transgression ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe, hein, puisque je pense que c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Bah alors, je vais donner. Alors, c'est assez technique, donc je vais essayer de simplifier. C'est un exemple. On a eu des candidats qui se sont présentés et l'instance indépendante ne leur a pas permis de se présenter. Elle a refusé leur dossier. Le tribunal administratif, il a dit que normalement, ils peuvent aller se présenter et l'instance indépendante, elle a dit on ne va pas prendre en compte la décision du tribunal. Et donc ça, c'est une transgression de la loi. On n'a jamais vu ça auparavant en Tunisie. Et au-delà de ça, tout le processus électoral a été dans un cadre qui est non démocratique, avec une liberté d'expression qui est réprimée. Et donc voilà. Alors, est-ce que tout est fait apparemment pour garder le système en place ou pour garder les mêmes directives, peut-être que vous allez mieux nous expliquer par rapport au système en place. Bah en fait, on a un système avec un président qui a fait un coup d'État en 2021 et qui a tous les pouvoirs entre ses mains. Et aujourd'hui, ils font tout pour faire en sorte de lui faire gagner facilement les élections. Il n'y a que 3 candidats, dont un qui est en prison, Ayesh Izamel. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par ces élections parce que justement, l'environnement, il n'est pas démocratique, ce n'est pas un cadre de liberté et ce n'est pas un bon environnement pour organiser des élections. Alors, je vois que tu es jeune. Et la jeunesse, qu'est-ce qu'elle en pense sur place ? On voit qu'il y a beaucoup de manifestations. Il y a un rejet quasi total des élections à venir. Que pense la jeunesse aujourd'hui sur place ? Alors, c'est difficile de parler au nom de toute la jeunesse, mais oui, il y a eu des manifestations avec beaucoup de jeunes. Qui sont justement sortis pour dénoncer tout ça parce que Kais Saied, il avait représenté un espoir pour la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont voté pour lui en 2019 et aujourd'hui, en fait, il ne représente plus du tout cette jeunesse. Et ce en quoi la jeunesse a cru en 2019, on voit que c'est bafoué. Il a mis un coup d'arrêt à la démocratie, il est en train d'installer une dictature. Donc oui, la jeunesse, elle est forcément contre ça. Alors beaucoup d'arrestations, j'ai vu, hein, beaucoup d'arrestations, beaucoup de un climat tendu entre les forces de l'ordre, le pouvoir et les manifestants. Est-ce qu'on est dans le cas de figure du pays voisin, l'Algérie par exemple, un grand Hirak en 2019? Est-ce qu'on est dans ce cadre-là, un renversement du pouvoir ou pas? Alors c'est assez différent du Hirak. Le Hirak, c'était des manifestations de très grande ampleur. On n'en est pas encore là en Tunisie. Mais oui, on a un régime très autoritaire qui est en train de mettre en place une dictature avec plusieurs arrestations d'opposants politiques, de journalistes et même de blogueurs, d'activistes sur les réseaux sociaux, de militants pour les associations et les ONG. Tout le monde y passe aujourd'hui. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de dire stop à tout ça. D'accord. Et donc, on est quand même au balbutiement, on est au début. Le vote, c'est pour bientôt. Est-ce que l'ampleur grandit, en tout cas, la rue grandit et de plus en plus d'événements
et de plus en plus de contre-indications avec le régime en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque de revenir en 2011 et d'avoir un renversement et d'avancer sur autre chose de plus démocratique? Ou est-ce qu'on est dans la tendance à rester peut-être toujours au même lieu, aux mêmes places où on est aujourd'hui? Bah aujourd'hui, tous les indicateurs montrent qu'on va vers des fausses élections et que le président il va être réélu. Et du coup, sauf si la rue continue à se mobiliser et qu'il y ait un rejet de plus en plus fort, bah aujourd'hui, en fait, il a verrouillé tous les moyens légaux et pacifiques pour nous de protester contre ça. Donc l'avenir ne s'annonce pas très, très joyeux. Jérôme, bonjour. Très content de te voir sur le canal de Riposte International. Ici, on est Métro Couronne. Hein, c'est l'événement de la Tunisie aujourd'hui. Alors, un rejet. Alors, peut-être que tu vas nous en dire un peu plus par rapport à la situation actuelle. Et quel est l'objectif de cet événement aujourd'hui? Bah déjà, en tant que démocrate français, je suis là pour soutenir donc les Tunisiens pour qu'ils retrouvent donc un fonctionnement démocratique normal. Dire la Tunisie qui a fait le printemps arabe donc il y a presque 20 ans maintenant, donc se retrouve dans une situation donc de recul. Et donc en tant que démocrate français, il est normal que je sois auprès des Tunisiens pour les soutenir dans leur lutte pour la démocratie. Alors cette démocratie, comment s'annonce-t-elle justement là-bas en Tunisie? Bon, je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confrontations entre la rue et le pouvoir en place, beaucoup d'arrestations. Quel est l'avenir à votre avis? Bah, l'avenir, s'il n'y a pas de mobilisation hors de la Tunisie, donc est très sombre. C'est-à-dire que pour le moment, on voit qu'il y a une déliquescence du pouvoir, une centralisation du pouvoir autour du président, un parlement qui ne fonctionne plus, le monde de la justice, pareil, avec beaucoup d'emprisonnement d'avocats. On revient presque donc du temps de Ben Ali. Donc ça, c'est très inquiétant sur la suite. Donc il est important de revenir donc auprès de l'ensemble des citoyennes et citoyens tunisiens pour les soutenir et pas revenir 30 ans en arrière. D'accord. Est-ce qu'il faut croire en l'avenir, cette jeunesse qui monte au créneau aujourd'hui? Ah bien sûr, on croit toujours à l'avenir. C'est-à-dire qu'on sait toujours très bien que le pouvoir est toujours pris par une minorité par rapport à une majorité. Et donc la jeunesse qui est importante en Tunisie, donc on lui fait confiance pour reprendre son destin en main. Alors au niveau des partis politiques, beaucoup, c'est très mitigé. Beaucoup appellent au boycott. D'autres sont pour justement travailler de l'intérieur, hein, en espérant de faire quelque chose de positif. Si par le plus pur des hasards ils étaient admis, en tout cas au sein du système en place, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il boycotter ou faut-il ne pas laisser la chaise libre? C'est quand même aux Tunisiens de choisir quel est le meilleur type d'action par rapport à ça. C'est vrai que dans une situation où le Parlement ne fonctionne pas, où même quand on est élu, on n'arrive pas à faire un travail de parlementaire, on peut se poser la question de participer aux élections et donc de participer à l'Assemblée parlementaire. Donc c'est une question qui est assez pertinente, mais moi je ne vois pas en tant que Français choisir à la place des Tunisiens quel est le meilleur moyen de lutter pour un retour à la démocratie. De toute façon, quelle que soit la solution qu'ils prennent, il faudra forcément qu'il y ait un soutien, comme ça s'est passé pour la chute de Ben Ali. La chute de Ben Ali, il faut rappeler, c'est un mouvement important grâce aux syndicats. L'UGTT était quand même un syndicat très important en Tunisie, face à la Ligue des droits de l'homme tunisienne, enfin, face à la société civile, en lien avec les provinces où les manifestations ont commencé en province. Donc c'est le peuple qui a renversé Ben Ali sans violence, et ça c'est important de le rappeler. Peut-être que là il faut revenir à un même mécanisme. C'est pour ça moi je fais confiance aux Tunisiens pour trouver la meilleure stratégie pour revenir à un bon fonctionnement démocratique. T'as l'air que bonjour, très contente de te recevoir au micro de Riposte International. Aujourd'hui, on est ici, place Métro Couronne, pour un grand rassemblement. Alors justement, je sais que toi, tu es un grand militant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'abord, dans un premier temps, sur ta fonction et ce que tu fais comme d'habitude? Ben merci. Déjà, je suis pas un grand militant, je suis un simple militant. Oh, si, ben, si. Ça fait on te connaît par tes actions et ton militantisme. Voilà, bon, je suis de l'Association démocratique tunisienne en France. Métro Couronne, ça fait une décennie, un peu plus, qu'on n'est pas venu. Je me rappelle, on était là pour chasser la dictature de Ben Ali.
Nous, on est, oui, on est des vieux militants. On reprend des services parce que ce qui se passe en Tunisie actuellement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On arrête les gens, on les a condamnés par avance. C'est une pratique inadmissible, inaccessible. Donc, nous, on demande la libération des prisonniers politiques. Déjà, tout. Alors, justement, je vois qu'il y a un grand... Il y a un grand rassemblement au niveau de la rue en Tunisie. Il y a un grand chamboulement qui est en train de naître. Alors, est-ce que c'est dû à quoi? Alors, on sait que c'est par rapport à la politique actuelle et au refus de revenir sur le même système. Est-ce que tu peux nous commenter un peu plus les événements de la rue en Tunisie? Oui, déjà. Que se passe-t-il exactement? Oui, en Tunisie, ça fait beaucoup d'événements, hein. Surtout depuis que Kais Saïd a pris son coup, c'est un coup d'État, c'est clair et net. Il a commencé au début, on croyait, bon, on attendait, mais finalement, il aggrave la situation de plus en plus, avec ses décrets, la dissolution de toutes les institutions de la République tunisienne, et finalement, et même la constitution qui a été... Il a rédigé une comme ça d'un coup de tête. Ça a été modifié, oui. Modifié oui. Complètement. Et il a fait un référendum, allez, 10% qui ont participé. Mais le monsieur, il tient compte de rien du tout. Il a continué. Et là, maintenant, c'est les emprisonnements de plus en plus sur tous les bords politiques. Sous prétexte qu'il y a la décennie noire de la Tunisie. Mais la décennie, non, le retour en arrière. Mais c'est lui qui nous ramène à un siècle de lumière. D'accord. Et là, dernièrement, ce qui s'est fait, bon, il y a un réseau constitué d'associations de la société civile et de partis politiques qui sont constitués en Tunisie pour réclamer la libération des prisonniers politiques, des élections libres. Et il y a eu des manifestations en Tunisie à l'avenue Habib Bourguiba. Ici, nous, on s'est revus, on a préparé ce rassemblement et on va continuer. Cette mascarade d'élection, ça ne nous convient pas. Alors, Tarek, justement, alors, brièvement, sans rentrer dans les détails, justement, la partie civile en Tunisie, elle est mitigée. Il y a combien, grosso modo, combien de partis, combien de groupes qui sont pour ou qui sont contre? Bah, franchement, la Tunisie, tout le monde sait qu'il y a les militants et Nahda, qu'elle est bien organisée. Bon, elle existe. Les dernières élections, bon, elle n'était pas majoritaire, mais elle est 15-20% de présentation. La gauche, malheureusement, elle est éparpillée avec ses différentes tendances, la gauche radicale jusqu'à... Oui. Voilà. Et d'un autre côté, il y a les RCDistes, l'RCD, qui est l'émanation de Bourguiba, de reprise de service avec Ben Ali, qui s'était restructuré avec le feu Bejgraïd Sebsi. Et là, aujourd'hui, avec Abir Moussi, peut-être Mandr Znaï dit qu'il n'a pas été accepté. Sinon, il y a la société civile. La société civile, c'est le GTT, Ligue droits de l'homme, voilà ce qu'il y en a actuellement en Tunisie. Pour la famille à qui j'appartiens, c'est la gauche tunisienne, bah, oui, en effet, on essaye de travailler ensemble, mais les appréciations sont plus ou moins... on essaye de discuter pour avancer. Il y a ceux qui appellent au boycott de ces élections, il y a d'autres qu'on veut voter, mais pour qui? Moi, alors, personnellement... Justement, tout à l'heure, boycott ou pas boycott? Non, franchement, moi, je ne suis pas adepte de boycott. Ah ben, si je ne veux pas y aller, même depuis l'époque de Ben Ali, on a essayé de participer. On était éliminés avec tous les moyens des modifications de la Constitution. Je me rappelle, il a fait pas mal, il a traficoté pas mal pour éliminer des candidats potentiels. On a tout à gagner d'y participer. Donc, mais avec qui? Bon, actuellement, il y a un candidat, Marzaoui Chab, qui a applaudi Kais Saïd. Il a approuvé sa politique d'extermination de la gauche et de tous les militants démocratiques. Il y a Hesham Zemel, moi je ne le connais pas personnellement, mais actuellement, il est emprisonné, il est pourchassé le matin à Tunis, début d'après-midi à Jandoub, à 120 km de Tunis. Le soir, il est à Kourouan, il est trimballé de cette manière-là. Alors, c'est un candidat, il devrait être protégé. On a vu, on n'est pas aux États-Unis, c'est criminel de CA. Tout à fait. Mais au moins, Trump,
La sécurité, il était que parce qu'on accepte. Alors en Tunisie, on a un candidat, il est arrêté par la police le jour même où il a quitté la prison. Il attend la voiture pour l'amener dans le nord-ouest pour se faire rejuger de nouveau. C'est inadmissible. Donc apporter, moi je suis partagé. Voilà, le boycott, je ne pense pas que c'est la solution. Mais voter pour qui ? On va discuter encore, on a encore un peu plus de temps. Combien de temps vous avez ? Ben rapidement, il faut que ça soit tranché, mais moi je ne suis pas adepte de... déjà, il faut essayer. Alors donc, ici au niveau, à Paris, ou en tout cas en France, est-ce que au niveau de la communauté tunisienne, est-ce que ça bouge ? Est-ce qu'il y a des discussions ? Est-ce qu'il y a des plateformes de travail, de réflexion sur que faut-il faire ? Oui, on a l'habitude de travailler ensemble. Le rassemblement d'aujourd'hui, ça a été organisé par 4 associations démocratiques, à savoir l'UTIT, l'FTCR, le CRDTHT et la DTF. Donc on a l'habitude, depuis Bourguiba, Ben Ali, Nahda, on est venu lorsqu'il y a eu Céliane, lorsqu'il y a eu on a l'habitude de défendre les libertés démocratiques. Bon, on a essayé de faire quelques rassemblements, c'est pas le premier celui-là. Oui, je sais. Il n'a pas été très là aujourd'hui, on va monter en crescendo pour tenir la pression et exiger un minimum que les libertés démocratiques soient respectées en Tunisie. Alors je suppose que ces think tanks sont assez difficiles, hein. Il y a beaucoup, je pense, beaucoup d'obédiences politiques différentes. Est-ce que quand même il y a une vision commune sur un point commun pour cette politique ? Bah, le point commun, c'est les libertés démocratiques, libérer les prisonniers politiques, c'est le point commun. On a vu de Rachid Ghannouchi jusqu'à Abir Moussi, en passant par... tous les démocrates, les journalistes, les avocats, Sonia Dahmani, Hail al-Bled, jusqu'à aujourd'hui, elle est en tôle. Il n'y a pas de raison. On a vu. Oui, mais les d'accord, on se comprend, la liberté des détenus d'opinion politique ou même d'autres, c'est une chose. Mais d'un point de vue politique, est-ce que. Il y a deux. Je suppose que la préoccupation aujourd'hui, c'est pas uniquement les détenus d'opinion. Ça, c'est une chose qui reste depuis des années. C'est un travail ça commun, je pense, à tout le monde. C'est dans la logique. Mais d'un point de vue politique, est-ce que vous arrivez par ces plateformes de travail à trouver un juste milieu entre vous pour arriver justement à une solution politique ? Oui, la question elle est pertinente, mais malheureusement, pour préparer ensemble, tourner la page, on arrive sur des papiers, mais avoir un programme qui soit clair, rassembleur, on n'est pas à ce stade, j'espère. C'est de l'apprentissage. On a vu des expériences avant Ben Ali, 18 octobre. Elle a chassé Ben Ali des pouvoirs. Elle a été pour quelque chose. Il y a nos amis de l'Massad, d'autres partis de gauche, qui ont dénoncé. Ils considéraient ça qu'on s'est tombé dans les mains d'un Nahda. Mais la gauche tunisienne, c'est grand temps qu'elle se rassemble. Il y a quelques mouvements de jeunesse. Il faut espérer que les jeunes reprennent un peu les choses en main. Ils apprennent à travailler ensemble pour essayer de préparer, de fuir un peu. Nous, à part, on a repris des services pour les libertés démocratiques, essayer de dénoncer toutes ces bavures et ces entorses à ce qui se passe en Tunisie, mais on fait confiance. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui... Il y a les quartettes qui ont eu prix Nobel, qui restent quand même un rempart. Les avocats, les JTT, tout ce qu'on veut en Tunisie, c'est à eux de pousser un peu. Bon, les partis politiques, je reconnais, nous sommes faibles. On se maintient. Alors, moi, je suis fondateur de l'RSP, Rassemblement Socialiste Progressiste. C'était avec Maya Jrib, Issam Cheb, Najib Cheb. Depuis 83, on est passé PDP, on est passé El Jumhouri. Bon, on a travaillé, on a chassé Bourguiba et on est là. On a chassé Ben Ali, on est là. Nahda El Bouteghi, on honore, est hein. là. J'espère que le parti El Jumhouri reste là avec ses composantes de la gauche tunisienne pour construire quelque chose. Mais la construction, c'est très difficile et c'est de l'apprentissage. La démocratie en Tunisie, pour avoir des partis qui soient crédibles, il arrive à gagner, à perdre les élections. C'est une autre paire de manches qu'il faut travailler sérieusement. Donc, Alors, Talerk, ce sera ma dernière question, si vous le permettez. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route qui soit susceptible de faire consensus aujourd'hui à l'aube des élections ?
La seule feuille de route, c'est actuellement, c'est contre Kais Saied, ça, avec tout ce qu'il fait, où il veut aller, c'est ça qui nous rassemble beaucoup, beaucoup plus. Bon, on a essayé de faire quelques séminaires communs sur tout ce qui est en Tunisie, plus que les seuls plans économiques, sociaux. Mais malheureusement, pour avoir un programme crédible, une alternative au pouvoir existant, c'est très en dessous de nos espoirs et nos espérances. Justice sociale en Tunisie et liberté, 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 liberté. Allez. Madame Badi, bonjour. Je suis content de vous avoir au micro de Riposte International. Alors, je vous laisse vous présenter. أنا سهام بادي وزيرة تونسية سابقة مباشرة بعد الثورة والآن طبيبة في باريس وناشطة حقوقية وسياسية. Vous êtes ex-ministre quand même, hein? نعم. Alors, je voudrais dans un premier temps avoir votre point de vue sur cet événement aujourd'hui ici à Couronne, en plein cœur de Paris. Pourquoi vous êtes là et pourquoi ce rassemblement? بعض التجاوزات القانونية المتواصلة اللي موجودة والأجواء اللي قاعدة تقام فيها الانتخابات الآن يعني من تجاوز كل الأعراف والقوانين والدساتير حتى العالمية لأنه قيس سعيد يريد أن ينافس إلا نفسه يعني بعد ما وضع مجموعة من النشطين من الأحزاب داخل السجون ومن بعد ما منع من الترشح بالرغم قرارات المحكمة الإدارية اللي استجابت إلى 3 مرشحين ولكن تم إقصائهم من السباق والآن يريد أن يقصي المحكمة الإدارية على أن تكون هي المشرفة على كل الجرائم الانتخابية التي يمكن أن يرتكبها ما بقى لنا بالطبع نحن كمواطنين نناضل من أجل الحقوق والحريات وحقنا في ممارسة انتخابات نزيهة وشفافة ولا تجاوز فيها للقانون نرى اليوم يعني من فئات مختلفة وأعمار مختلفة وانتماء لأحزاب سياسية وإيديولوجيات مختلفة مجتمعين كما اجتمعوا الأسبوع الفارط في تونس اليوم كيف يعني مجتمعين في باريس من أجل أن نقول أن هذه الانتخابات هي مسرحية هي مهزلة لا يمكن أن يقع السطو على الإرادة الشعبية لا يمكن أن يختار قيس سعيد لنا من يمثلنا الشعب اليوم يقول كلمته بقوة يقول له أرحل يقول أنه بالفعل برهن على أنه دكتاتور وعلى أنه لا يريد أن يسلم السلطة عبر الصندوق وبالتالي لم يبقى إلا الاحتجاج السلمي وأن نرفع صوتنا بكل قوة لنقول له جاء الوقت إنك لا تريد أن ترحل بالصندوق فسوف ترحل بهتافات الشعب. Qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un grand changement en Tunisie d'un point de vue politique. Un changement, il faut dire qu'on espère toujours qu'il y a un changement, bien sûr. L'espoir fait vivre. L'amal est le chat qui a été le tahir. Nous nous nourrions qu'il y a un tahir à travers le sandwich, un tahir avec les السلميه تغيير بالانتخابات مثل كل الديمقراطيات التي تحترم نفسها ولكن قيس سعيد يريد غير ذلك قيس سعيد يستعمل مؤسسات الدوله واموال الدوله ويستعمل القانون كما يحدو له ويريد ان يضع نفسه على المحكمه وعلى القضاه ليمنع الشعب من التعبير على ارادته الحره وبالتالي بالطبع التغيير اتي لا محاله ما دام هناك في تونس رجال ونساء احرار يدافعون على حقهم ويدافعون على حريتهم ويدافعون على حقوقهم في الحريه وفي الاختيار الحر في البلاد ما دام هناك رجال ونساء كما ترون اليوم ما دام انه التغيير اتي لا محاله وقيس سعيد سوف يرحل ان لم يكن اليوم سوف يرحل بدون شك. Madame Badi, merci beaucoup pour votre participation très éclairée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Liberté, 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 libérer les prisonniers politiques en Tunisie. Et libérer les prisonniers politiques en Tunisie. Libérer les prisonniers politiques en Tunisie.
Anas, bonjour, très content de t'avoir au micro de Riposte Internationale. Bonjour, merci beaucoup. Alors, tu es le fils d'un prisonnier politique aujourd'hui, oui, depuis 19 mois. Alors, est-ce que tu peux nous raconter exactement pourquoi ton père, oui, est prisonnier aujourd'hui? Aujourd'hui, mon père est détenu dans le cadre d'une affaire de complot contre l'État qui a eu lieu à Sousse. C'est l'affaire plus connue sous le nom d'Instalingo. Et donc, c'est une affaire avec plus de 50 détenus, des chefs d'accusation génériques, complot contre l'État, changement de la nature de l'État, etc. En fait, des choses assez bateau qui veulent pas spécialement dire quelque chose, mais au fond, on sait pourquoi il est détenu, parce que c'est un opposant politique, un militant qui toujours, durant toute sa vie, a donné sa vie pour la Tunisie, a été ministre, etc. Alors, pourquoi un complot aujourd'hui? Pour éviter qu'il se présente, pour éviter qu'il fasse une participation politique? Sûrement, oui. Étant donné qu'on peut se poser cette question aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un des pays, et comme l'a dit un jour Semik Dilou à Tunis, on est un des pays qui avons le plus d'affaires de complot contre l'État dans le monde, avec plus de 14 affaires de complot contre l'État. Je pense pas que tout le monde est complotiste dans ce pays, et encore moins que mon père est complotiste, mais c'est tout simplement pour museler la voix de l'opposition, pour museler sa voix et l'empêcher de parler. Et même à travers les barreaux, il continuera et il maintiendra sa force. Et tous les prisonniers politiques l'ont démontré et ont fait résonner leur voix, que ce soit par des grèves de la faim ou par d'autres moyens. Alors aujourd'hui, comment les jeunes voient un petit peu cette situation en Tunisie, et comment voient-ils l'avenir? L'avenir est flou, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On espère bien sûr, moi par exemple, en tant que jeune pour mon pays, j'espère le bien. J'espère qu'on rentrera et qu'on reviendra le plus rapidement possible dans un état de droit, un état où tous les Tunisiens peuvent vivre tous ensemble, sans division, sans arrestation. De plus en plus, on voit récemment que ce sont des jeunes qui s'engagent. On le voit dans la rue, les dernières manifestations, notamment celle du 13 septembre à Tunis, c'était des jeunes. Et récemment, c'était des jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. On prend la relève, mais on prend la relève. On n'est pas, c'est comme aujourd'hui, c'est pas une manifestation apparentée politiquement. On est là parce qu'on aime notre pays et on croit en la liberté, en la démocratie et tout simplement en l'état de droit. Alors, est-ce que c'est simplement une envie de démocratie ou c'est vraiment... est-ce que vous suivez vraiment, alors je parle de la jeunesse évidemment, est-ce que vous suivez vraiment une feuille de route guidée ou téléguidée, je ne sais pas, pour aboutir justement à une démocratie une feuille de route calculée qui soit construite? Je pense pas qu'on, enfin personnellement, et moi je m'adresse pas au nom de la jeunesse bien sûr, mais personnellement je suis pas une feuille de route spécifique pour tel ou tel système, tel ou tel type de démocratie, mais je suis une feuille de route qui est la mienne et en fait qui coïncide avec les valeurs de la révolution qu'on a fait en 2011, celle de les valeurs de la liberté, de la démocratie. Je pense pas que ce soit simplement une envie simple comme ça de démocratie, un ras-le-bol, mais plutôt réellement une frustration qu'on éprouve, une frustration de voir que l'état de droit se détériore, que militants, journalistes, politiciens aujourd'hui sont en prison, candidats politiques comme Ayesh Isamel sont en prison. C'est une frustration de voir, et moi par exemple, je m'adresse pas en tant que la jeunesse, mais par exemple la frustration, depuis que mon père s'est fait arrêter, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur la grande injustice que les prisonniers politiques vivent, parce qu'il y en avait avant lui, et maintenant c'est une centaine, voire plus, de victimes d'affaires de complot, ou encore de victimes du décret 54. Donc c'est sorti dans la rue, aujourd'hui en Tunisie, pour la plupart c'est spontané. Je pense, oui, que c'est spontané, ça répond à un appel, notamment l'appel du forum des droits, mais je pense pas que c'est organisé. Je pense qu'ils ont vu sur Facebook cet appel, et je pense qu'ils ont descendu, ce qu'ils sont descendus, c'est comme moi par exemple, dans plusieurs manifestations à Tunis, j'y allais parce que je voyais sur Facebook, mais ça répondait aussi à mon besoin de défendre la démocratie, vouloir au moins à ma simple échelle me rendre utile pour la liberté et pour toutes ces personnes qui ont tant donné à la Tunisie.
Merci beaucoup pour cette participation pleine de fraîcheur. Merci beaucoup. Justice sociale en Tunisie. Et liberté, 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 liberté. Allez. Monsieur Eric, bonjour. Très content de vous recevoir au micro de Riposte International. Ouais. Alors, quel est l'objectif de l'événement aujourd'hui, de ce grand rassemblement place Couronne? Alors, aujourd'hui, on est là pour faire écho à tous ces jeunes, ces sociétés civiles, ces gens qui réclament le réveil, en fait, et la consistance de la révolution tunisienne, une révolution qui a fait rêver. Il y a qu'il fait un effet domino partout dans le monde. On est là pour dire que c'est pas fini, qu'il est vrai que M. Kais Saied a usurpé notre rêve, mais on est là pour le reprendre. Et ce serait de nouveau la démocratie en Tunisie. Alors, la rue en Tunisie lui fait bien comprendre que finalement, ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est bien parti pour chasser ce dictateur aussi. Et il a biaisé le jeu. Il est très clair qu'il n'y a plus d'État, plus de démocratie, plus d'élections, plus de rien. C'est l'idée de droit qui est menacée aujourd'hui en Tunisie. C'est une idée qui est très chère aux Tunisiens. Donc, c'est sous le cadre de droit des Tunisiens de disposer d'eux-mêmes, pas... leur droit aux élections. Alors, Maître Belrit, aujourd'hui, on est beaucoup d'arrestations en Tunisie, beaucoup de soulèvements. On est au balbutiement, quand même, par rapport à 2011, si on peut se référer à cette date. Est-ce qu'on est dans le même cadre? Est-ce qu'on peut espérer, justement, un soulèvement et faire en sorte que ce système en place disparaisse? Ou est-ce que ça risque d'être très difficile? Écoutez, pour être franc, ça dépend de la consistance du mouvement de contestation. Le régime aujourd'hui, il est vulnérable et il peut tomber. Si on baisse les bras, il va persister. Voilà, donc. Alors, il y a quand même une jeunesse derrière hein, qui crie, qui demande... Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, tous les mouvements de jeunesse et de la société civile, tout le monde réclame un État dont on peut vivre et on peut rêver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des plateformes de réflexion, des think tanks qui permettent d'avoir justement la création d'une feuille de route qui fasse consensus aujourd'hui, d'un point de vue politique? D'un point de vue politique, oui, j'estime que tous ces mouvements peuvent en finir d'abord avec ce dictateur et repartir avec un consensus national sur la base, bien sûr, de réformes, pas seulement politiques et constitutionnelles, mais surtout des réponses pour le développement, pour l'économie, pour tous les problèmes sociaux.